Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans Animal Crossing Pocket Camp pour l'épisode 3. Alors, j'avais tourné une vidéo lors de l'événement de Noël que j'ai perdu dans mon téléphone. Du coup, j'ai pas pu vous la sortir. Du coup, je vous tourne un épisode sur l'événement cette fois-ci du Nouvel An qui se finit dans 6 jours. Donc, voilà. Alors, au niveau des défis express du jour, on doit aller décerner des Inkulos, ça va aller assez vite. Ramasser 6 coquilles de conch et 10 noix de coco. Donc ça, je pense que c'est assez vite à faire. Et ensuite, là, comme vous pouvez voir, il y a encore tous les meubles à faire. Sauf celui sur le cerf-volant de Marie que j'ai déjà acquis. Et il me reste, je suis en route à essayer d'avoir le paravent Kadomatsu. Pour ensuite acheter en échelon, je commence par ceux qui sont entre guillemets les plus compliqués. Alors, hier j'ai fait construire la tente naturelle, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors du coup, on va l'inaugurer ensemble. Heure de vérité, ouvrez grand les yeux. Ok. Ah non, tente nature ranch, type ranch, d'accord. Donc je passe au niveau 10 de mon thème orange, ranch. Du coup, mes petits habitants augmentent un petit peu leur petit cœur. Mais j'ai pas de passage de niveau, je suis niveau 39 d'ailleurs. J'ai encore mon décor de Noël, parce que j'ai pas encore enlevé mon décor de Noël et j'aime bien mon décor de Noël. J'ai pas fait de vidéo depuis la mise à jour également. Parce que là, il y a le jardin. Voilà, je n'ai pas vraiment, on va ressortir de là, travailler le jardin, je sais pas trop ce qu'il faut faire d'ailleurs, on regardera peut-être ça après. Je vais essayer de voir au niveau de ça qui clignote, récupérer mes 1000 clochettes. Au niveau de mes amis, ça met un siècle à tourner. Ok, j'ai pas de demande d'amis, ils ont tous leur petit chapeau de Nouvel An que moi, je n'ai pas mis, j'ai gardé mon chapeau de Papa Noël, donc j'ai ça, j'ai tout, cerise, pomme, là c'est pomme, orange, donc ça va, ça passe, et là c'est bon. Et ensuite lui, il lui manque quoi? Il lui manque des petits insectes, donc on va aller faire un petit tour, voir Avril, je crois qu'il s'appelle comme ça, j'ai pas fait attention en fait de la bête, je dois bien vous l'avouer. Donc, hop, on va ramasser vite fait les petits fruits, quand même, parce que quand même important. Je suis en galère de fruits en vrai. J'ai des fruits où j'en ai beaucoup et d'autres que j'en ai pas beaucoup. Ah, il est pas près de sa tente. Effectivement, c'est Avril. Coucou Avril. Alors, tu sais, j'ai essayé de me poser quelque part, mais le virus de la voyagiste. De la voyage. Ouais, bref. On va éviter que je parle peut-être, hein. Tiens, là tes fruits. Wouh! Merci. Matériaux, ok. Donc j'ai 208 matériaux de fête ou de nouvel an, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais, j'ai plus de place. Ah bah j'étais poisson également. Tiens, c'est pour toi. Donc du coup, il m'en faut 250 pour le paravent, donc il m'en manque une petite quarantaine. Donc hop, 3, ça va assez vite quand il nous en donne beaucoup, ça c'est pas mal. Merci beaucoup. Oui, je sais, j'ai plus. Ah, tu veux un vivano, tiens. Voilà, vrouf, wouf, wouf, je sais même pas comment il dit. Enfin, comment on doit dire. Parce que lui, il dit pas. Enfin, bref, vous vous en foutez. La fille, tu parles trop. Tiens. Hop là. Ouais, t'es content. Mais je sais que j'ai plus de place. Au niveau de mes objets, j'ai des objets, j'en ai vraiment beaucoup. Et d'autres que j'en ai vraiment pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Il me reste quelques matériaux de Noël, là. Mais c'est vrai que ces matériaux-là, ou que je sélectionne, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je ne construis pratiquement pas les meubles. Faudrait. Je dois bien l'avouer qu'il faudrait. Mais non, on va d'abord aller là. Mais je prends pas le temps. Je dois bien vous l'avouer, je ne prends pas le temps de construire mes meubles. Alors, faut attraper les petits insectes. Hop. Un machin. Qu'est-ce qu'il voulait
Cédric. Ah, il manque une petite bête. Le retour des petites bêtes. Et un macaron. Machaon, je ne sais pas comment on dit. Hop, en voilà un. Voilà. Et une petite bête. Ah, il y a un monarque. On va attraper quand même les bêtes qui traînouillent. Parce que. Après, si jamais il y a d'autres habitants qui nous en demandent, c'est mieux d'en avoir un petit peu de réserve. Surtout que mon sac n'est pas plein, il me semble. Faut que j'aille chercher des noix de coco. Parce que généralement, ils me demandent des noix de coco. J'en ai jamais sur moi, les noix de coco. Alors, c'est le truc que j'ai pas. J'ai aucune goutte, les noix de coco. Y a pas d'autres... Ah non, je crois qu'il y en avait d'autres avec des noix de coco. Il y a un de ces vents chez moi, je vous dis pas. J'arrive à l'entendre au travers de mes écouteurs. Et de la musique qui est plutôt assez forte quand même. Oui, petit Mathéo. Tiens, voilà tes trois petites chevennes. Vous voyez, les chevennes, j'en ai 14. Genre, ils me demandent jamais ça. Ah, c'est le petit moment du goûter. C'est trop mignon. Allez, il est trop mignon, Mathéo. Je pense que dans mon camping, j'ai essayé d'avoir tous les écureuils. Bon, pour l'instant, il n'y en a que 3. Je crois. Que 3, hein. Il y a Rachida, Mathéo et Philibert, je crois. Ah bah, vous voyez. J'ai dit que quand il fallait attraper les insectes, voilà. Donc, du coup, il va falloir que je rattrape un, 2 petites bêtes. Oui, il m'en manquait une, du coup, il m'en faudra 2. Mais c'est pas grave. En plus, il me donne un matériau de nouvel an, donc c'est plutôt cool. Ah, il me manque un carassin. Bon, bah, on ira après. Ok, bon, on a plein de machaons, macarons. On va tout le même attraper. On n'en a plus d'avance. C'est pareil, j'aimerais bien remplir un peu plus mon bric-à-brac. Parce que mon bric-à-brac, il y a 3 trucs qui se battent en duel. Et là, je ne sais même pas s'il y a encore quelque chose. Ah, des bêtes comme ça, on va les prendre. C'est assez rare. C'est toujours bien d'en avoir quelques-unes. Ça évite, dès qu'il y a un habitant qui nous demande de chercher à courir pendant un siècle dans l'île. Du coup, et ben j'ai rien du tout. On va donc aller voir Oti pour prendre de les fruits, enfin pour lui donner les fruits, lui prendre les fruits qui est autour de d'elle. Et après on retournera voir Avril pour essayer de pêcher le carassin. On retournera voir Mathéo pour essayer d'attraper les 2 petites bêtes. Pour ensuite aller voir, je sais plus lequel, qui Cédric. Voilà. On attrape des petits fruits parce que j'en ai jamais. Mais quand je vous dis jamais, j'en ai jamais. Alors, on attrape. Non, ce coup. Pas que j'oubliais aussi les missions. C'était. Je ne sais plus ce que c'était par contre. J'avais dit que c'était pas compliqué à faire. Mais faut-il déjà se rappeler des missions qu'il y a à faire. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, on va ramasser les petites poires. En espérant pouvoir compléter toutes les requêtes avec vous et pas devoir aller chercher dans le bric-à-brac des gens, parce que ça me dérange pas de payer du tout. Moi, dès que j'ai l'élément qu'il me faut, je paye, peu importe le prix. Enfin, faut pas abuser quoi. Mais sinon, c'est généralement quand c'est quelques centaines de clochettes, je paye. Mais changer, aller à chaque fois voir le bric-à-brac de chacun et tout, c'est très très long et très très chiant. Je trouve qu'il est très très mal fait cet aspect d'aller voir les gens. Ah non, je voulais pas te parler. Ah donc 3 carassins attrapés. Donc on va vite faire regarder l'émission suivante. Non, pas les amis, j'ai dit l'émission. Hop là. Les défis express c'était quoi? Ah oui, un coulos. Ah, j'ai les noix de coco et les coquilles. Ok, donc un coulos, est-ce que ça marche là? Je sais pas. Coucou. Ah, je vais aller voir son camping. Écoute, petit japonais, on va aller voir ton camping. D'ailleurs, si vous voulez que je visite vos campings en vidéo, eh ben, dites-moi votre pseudo, si vous m'avez un ami, sinon ajoutez-moi, ou enfin quelque chose. Dites-le moi dans les commentaires, après on réglera le problème pour voir si je vous ai trouvé ou pas. Et je visiterai vos campings tout temps à autre, ou peut-être une fois dans les vidéos, ou une vidéo spéciale, enfin justement on verra bien. Coucou. Tiens, je te donne des coulos. Ou des coulos. Je sais pas ce qu'on voulait. Yes, ça c'est bon, c'est fait. Hop, les 3 matériaux de coulos. Ou enfin d'habits.
Et par contre, je vais voir quand même ton bric-à-brac, parce que si ça vite que j'aille fouiller dans les trucs, ça peut être pas mal. Alors, il y a rien. Ah si, il y a une petite bête qui m'intéresse. Et après, le reste ne m'intéresse pas. Les cocos, faut que j'y récupère moi-même, donc ça ne m'intéresse pas. Et après, les fruits, je les ai quand même ramassés, donc je pense que c'est bon. Je vais juste encore te parler, parce que je vois que ton bric-à-brac est plutôt pas mal, donc je vais me lier d'amitié avec toi. Si tu m'acceptes, évidemment, ça c'est sûr. Hop, je retourne là où j'en étais et je vais retourner. Retourner, je ne sais pas où, mais je vais retourner. Là, il lui fallait des carasses, hein, donc ça c'est pas bon. Ah bah, du coup, Cédric c'est bon, donc on va aller voir Cédric pour lui donner ses petites requêtes et ramasser les cocos et les coquillages, si j'ai assez évidemment. De coco et de coquillage sur ma plage, moi j'ai rien du tout. J'ai tout ramassé comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. En fait, quand je suis en vidéo, je fais ça hyper bien. Et en fait, quand je reprends les. Après les. Quand je continue à jouer après les vidéos et tout, je me dis, oh, vrai, ça. Bah, c'est. Oh, elle est belle sa caravane. Et en fait, ça. C'est plutôt pas mal. Quoi, j'ai pas mal de poissons, pas mal de trucs comme ça. Mais quand je joue toute seule, je me prends pas le temps de. De ramasser tout ce qui traîne, en fait je vais juste aux requêtes et j'achète au bric-à-brac pour pas perdre de temps parce que à vrai dire je sais pas beaucoup de temps et du coup ben c'est un petit peu bête. Coucou toi, ton bric-à-brac, est-ce que ton bric-à-brac est chargé? Rien d'intéressant pour moi. Hop, bon il n'y a pas du tout les coquillages qu'il me faut à part un. Sinon, il n'y en a pas du tout. Donc, tiens, Cédric, là, tes petits insectes. J'ai plus parlé. Je suis généreux, je sais. Mais donne-moi des matériaux pour mon truc de nouvel an. Oui, c'est... Merci, Cédric. J'aime bien quand c'est comme ça. Tiens. Hop là. Ouais, c'est parfait, en plus j'ai pêché un chanchard juste avant, c'est magnifique. Hop, 3. Ah, il est généreux, c'est bien. C'est génial. Oh, puis j'ai encore... Parfait, je vais pouvoir remplir toutes ces quêtes, c'est magnifique. Tiens. Ouais, je te donne tout ça. Vas-y, récupère tout. Donne-moi encore des matériaux. Un seul, bon, c'est pas grave. Il m'en reste une grosse. Enfin. 20. Moi, je tire trop tout ma canne à pêche. Je sais pas combien de. Je sais plus en fait combien je suis. Je crois qu'il m'en reste une vingtaine à attraper de matériaux. Enfin, à récupérer. C'est peut-être faisable de faire. Donc, tous les. Avant le déplacement, enfin, remplir toutes les requêtes de mes petits habitants. Enfin, de mes petits voyageurs, parce que c'est pas vraiment des habitants. Ok, j'ai que des cardons. Je voulais pêcher un chanchard au cas où il y en a un qui me demande, mais non. Alors, j'ai une mouchette ou je ne sais quoi qui vole. Pourquoi t'es dans ma chambre? L'été, je veux bien, mais pas l'hiver. Qu'est-ce que tu fous là? Un calamar. D'accord. Ok, le calamar, c'était pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Hop. Et encore un quart d'eau. Je vois que ça clignote là-haut et ça me stresse. Donc je vais récupérer ça. Faut pas grand chose pour me stresser. Hein. Donc. Toi il te faut un carassin. Toi il ne te faut plus rien. Toi il te faut deux carassins. Donc trois carassins. Et toi il te faut plus rien. Donc faut qu'on aille chercher des carassins. Et ici qu'est-ce qui... Oula. Ah j'ai pas de barre. J'ai plus de barre. Ah j'en avais toujours deux trois. T'as pas un barre toi? Du coup. Oh, t'en as même deux. Et puis ils sont pas très chers. Hein. D'habitude, les barres, ils les mettent hyper hors de prix. Mais là, ça va. C'était pas très trop cher. C'était plutôt cool. Donc, du coup, j'ai la mission pour ce camp-là. Enfin, pour mon camp. Je ne sais même plus quel habitant. Et là, je vais essayer de pêcher trois carassins. En espérant que ça va pas perdre trop de temps. Alors, des carassins, ça c'est une chevaine, je reconnais à la taille directe, mais je vais quand même la pêcher.
Oula, ça bug un peu mon jeu. Ça, c'est le logiciel, je crois qu'il bug. Alors, je vais juste vérifier si ça enregistre toujours. Oui, ça enregistre toujours. Mais ça bug. Peut-être parce qu'il a plus beaucoup de place, parce que j'ai pas vidé toutes les scènes de vlog. Faut que je fasse ça, pareil. Ah, un carassin. Donc, j'ai le carassin. Il m'en manque encore deux. Là, j'ai un petit poisson. Qui a disparu de mon écran. Allez, voilà. Allez, attrape. Ah, une petite perche. Je crois que les perches, j'en ai quelques-unes. Hein. Je pense que c'est pas trop ce qui me manque le plus. Ah, ça, je pense que... Ça doit être un carassin et l'autre d'à côté, ça doit être une perche. Mais non! J'aurais pu avoir mes deux carassins, je pense. Voilà ce qu'ils avaient dit, ça c'était une perche. Donc l'autre, ça devait absolument être un carassin et j'ai foiré ma pêche. Du coup, on va aller voir Mathéo, lui donner ses poissons et après aller voir l'habitant qui voulait un bar. Puis retourner essayer de pêcher les carassins. Ça servait à rien que j'attende. Les bêtes, je crois que j'en avais acheté, il me reste quand même quelques-unes, c'est pas grave. Je trouve que ça part hyper vite les nitidules. On me les demande par 3 et c'est vrai que ça, j'ai l'impression que ça part hyper vite. Mais... Tiens! Il est beaucoup trop mignon, Mathéo. Oh, cool. Donc là, il m'en reste 20 à avoir. Bon, je les aurai pas là avec cette session de jeu, mais je pense qu'au prochain Switch, donc dans 28 minutes, ça ira. Donc là, on va aller voir c'est qui du coup. Ah, c'est Mirza qui voulait un bar. On va aller voir Mirza, on retournera au carassin après. Mirza. Mirza, elle est là. Tiens, c'est pour toi. Donne-moi des matériaux de nouvel an. Donne-moi ça. Oui, 3. Super, merci. Ah, j'ai pas encore passé de niveau le niveau 11 avec Mirza. Je vais lui parler. Non, non, moi je passerai. Ah. Ok, tu vas me donner quoi comme cadeau? Oh, plein de trucs, c'est cool, merci. Pas de matériaux, sympa. Cool, niveau 11, voilà. Je savais qu'en lui parlant, j'arriverai à avoir le niveau 11. Et un dernier petit cœur pour ça. Et j'ai encore plus de place pour ces matériaux, je sais. Je peux les vendre aussi, je sais. Ne me crie pas dans les commentaires, j'en vends de temps à autre. Mais, bah, il faut... J'ai peur, en fait, de trop vendre et du coup, d'en manquer, mais bon. Ça se vend pas énormément, énormément. Bon. Du coup, les carassins. Là, c'est une perche, là, c'est un carassin. Bon, vous me direz, je pourrais essayer d'en trouver dans le bric-à-brac des gens, mais... Hop! Donc, il m'en manque un. S'il n'y en a pas dans la rivière, je vais essayer de voir peut-être aussi trouver un bric-à-brac avec un carassin. Il n'y en a pas. Donc, on va essayer de vite fait de voir s'il y a un bric-à-brac rempli. Ou du moins avec des carassins. Déjà, là, déjà trois bric-à-brac plutôt remplis. On va les visiter. J'aimerais bien réussir à faire toutes les requêtes avec vous. Mais ça, je ne sais pas. Coucou. Voir son bric-à-brac. Est-ce que tu as des carassins? Ou un carassin? Non. Nope. Nope, nope, nope. Pas de carassin en vue. Mmh.
Bon, c'est pas grave. On va retourner là où on en était. Peut-être que les carassins ont apparu. Et puis, si c'est pas le cas, bah tant pis. J'essaierai d'attraper le carassin tout seul de mon côté. Parce que la vidéo dure quand même depuis un petit moment et j'ai pas envie que la vidéo dure assez plus non plus. Alors. Je crois que c'est une perche. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit carassin qui pourrait popper? Ça, c'est une chevenne qui a popé, mais pas un carassin. Il n'y a pas un là, non. Dommage. Ah! Non, ça, c'est une perche. Ça m'a l'air beaucoup d'être trop gros pour un carassin. Ouais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous jouez encore à Animal Crossing Pocket Camp ou pas. Ça m'intéresserait de savoir. Parce que je suis curieuse. Bref, je vais m'asseoir. Et je me suis assise n'importe comment, je vais pas m'asseoir comme ça. Voilà. J'espère que cette petite ou longue vidéo, ça dépendra de votre moyenne de vidéo, vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et très très vite aussi pour l'épisode 4 de Animal Crossing Pocket Camp. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.